Donc nous recevons l'équipe d'Angleterre donc avec score mitigé, une victoire et une défaite. Donc comment vous abordez ce début de tournoi avec, voilà, avec une victoire et une défaite? Comment ça s'est passé? Quel est votre état d'esprit? Le premier match, on n'a pas pu se mettre en route. Voilà, vous avez peut-être été un peu surpris par la taille du terrain, par peut-être la chaleur, aussi un peu d'émotion, je pense, à l'entrée avec la cérémonie qui prend toujours un peu avec cette Ligue des Champions. Quand on rentre, c'est sûr que ça fait plaisir de se faire applaudir et de surprendre. Et la taille du terrain, ça change un peu aussi des matchs normaux, pas du tout. Voilà, donc et vous, quel est votre ressenti sur ces deux matchs, la défaite, la victoire? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce premier match donc pour vous sur la défaite? On a les occasions sur le premier match. Après on a toujours un peu de mal dans le premier match. Mais le deuxième match on a gagné. Vous pensez qu'il y a eu un petit manque de réalisme sur le premier match? Qu'est-ce qui vous a manqué pour la victoire? Au début on y croyait. Donc vous en tant que coach, c'est votre premier mondialito? Ah non, c'est le cinquième. C'est le cinquième, donc... Des habitués. Voilà, vous êtes comme on les appelle ici, un peu les vieux de la vieille. Donc vous faites partie un peu des meubles de chez nous, vous savez comment ça se passe. Donc vous qui êtes habitués, donc quels sont vos mots à chaque mondialito? La fête, le plaisir, et puis, on se prend pas la tête et le résultat importe que très très très. Voilà. Je sais que le principal se passe le samedi soir. Bon, ça sera en zone obscure. En zone obscure. Mais pour ce qui est football, voilà, qu'attendez-vous de vos futurs matchs? Voilà, c'est bien, je sens de l'ambition. Vous avez l'air d'avoir une belle équipe. Voilà, vous êtes motivé. Vous pensez vraiment que vous avez les qualités pour aller jusqu'au bout? Si on se donne tous à 200%, je pourrais vivre. C'est bien, je sens beaucoup d'unité dans votre équipe. Je sens que vous avez envie, vous êtes amis les uns les autres. Vous faites vraiment, c'est ce qu'on appelle le foot, quoi. C'est une équipe. Vous le ressentez comment vous? Ouais, c'est sûr, on est un groupe. Après, il y en a, ils aiment pas perdre. Moi aussi. donc des fois, oui, il y a un peu des tensions, mais sinon, ça va. Ouais, la plupart du temps, on est un groupe soudé. On est super content et on espère aller gagner un bon tournoi et pourquoi pas le gagner. Donc je laisse le mot de la fin à mademoiselle, donc vous qu'attendez-vous de la suite du tournoi? Tout gagner. Donc ce qu'on retiendra de la part de l'Angleterre, c'est beaucoup d'ambition et une potentielle victoire. Et en tout cas on les remercie, on leur souhaite bon courage et félicitations sur le pour votre victoire. Et bon, la défaite c'est pas grave, c'est qu'importe peu. Et à ce soir, du Queen. On la sauvera. Pour l'Angleterre, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip.